Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Scarlet Sapphire. Un épisode où nous allons affronter la championne d'arène de type feu. Je suis en compagnie de Jean-Stéphane, comment allez-vous? Moi c'est toujours pas Jean-Stéphane, monsieur Mathieu. Je sais pas pourquoi Jean-Stéphane. Marcel, du j'aime coup, pas. Comment allez-vous? Marcel, j'aime bien. Franchement, Marcel, c'est des prénoms, t'as envie de les crier, tu sais. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, c'est une vraie personne? Bah. Ouais. Eh Mathieu, t'es devenu trop intelligent pour moi. Pourquoi? C'est pas Michel Pagnol? N'importe quoi! Attends, je regarde sur internet. Attends, je suis pas sûr. Attendez, les mecs du chat, je sais, vous êtes en colère vraiment là. Mais gros, Marcel Pagnol, gros, c'est un écrivain! C'est ce que je me disais! Mais c'est pas genre! C'est pas Michel! Il a écrit quoi? Mais il a écrit. Oh, gros, t'es sérieux, tu l'as étudié à l'école? La gloire de mon père! Vas-y, lis-moi le texte, s'il te plaît! Comment ça, lis-moi le texte? Toi que je me rappelle du livre aussi, t'es fou, toi, quand même! Ah, lis-moi tout le livre, Majesté! Ah, non, mais je vois que tu manques de culture générale, Stéphane, c'est pas grave. La mamie, elle te soigne en bas à gauche. C'est un petit conseil ouais, que je donne. Ouais, c'est bon, j'ai déjà fait. Ouais, merci mon frérot. Ouais, l'équipe, bah, elle a pas changé, hein. Voilà, détente. Ouais, bah oui, bah, de toute façon, elle a pas changé. Et là, je suis dans la zone. Je crois que j'ai entendu un cri d'un Pokémon. Ok. Oula, des bugs visuels. Bah, Pokémon de zone? Ouais. Pokémon de zone! J'ai évité tous les dresseurs, moi. Ok. Il est noir! Encore une fois. Il est toujours noir. Il doit être type dark. C'est Ptera, gros! Oh, moi aussi! Oh, ah bah. Le Ptera! Bah, qui fait le doublon? Qui change? Tu le veux ou pas? Non, ça va, je prends le risque. Tu le gardes? Non, vas-y, je te laisse. Tu me le laisses? Bon, ok. Ouais. Ok. Vas-y. Parce que la dernière fois, Sablette a eu Fabrice. Donc, vous êtes là, j'aurais Rayquaza, tu vois. Attention! Rayquaza, pas Rayquaza! Oh, Rayquaza, mais n'importe quoi! Amagara! Amagara! Mais tu sais, tu veux pas en échange? Tu prends Amagara, je prends Ptera? Non, je prends Ptera, moi. Ok. T'es fou, toi. Ptera, il est fort. Hein. En plus, ça va, les Pokémon, ils ont un bon type pour affronter la prochaine arène, donc ça devrait aller, tu vois. Prochaine arène, c'est type feu? Non, c'est type eau, mec. Non, parce que moi, je sais pas s'il est type roche. Tu vois ce que je veux dire? Ah, qu'est-ce qu'il a changé? Mais il a changé de couleur en fait. Ou pas le Amagara? Bah ouais. Attends, bah du coup, on va savoir le type du Ptera qu'on a vu au tout début du jeu. Il est de type. Inconnu. Très bien. Je suis très content. Je vais donc donner un surnom à Ptera. Je vais l'appeler. Mais comment ça, type inconnu? Bah non, bah c'est en fait, vu que c'est censé être dans le texte national. En gros, j'ai pas l'info. Enfin bref, je verrai tout à l'heure. Je vais l'appeler Pagnol. Moi je veux l'appeler Marcel en Pokémon. Ouais, il est pire, on est vraiment pas là. Qu'est-ce que j'aurais pu avoir? Amagara. On va tenter la Pokéball là ici. T'as eu qui? Ah, vous voulez pas, on change là? Waza, il est incroyable. Ok, je vais partager l'écran. Ok. Imagine. Ouais. Ok, là j'ai compris. Des âmes perdues. Incarnées ouais. Dans un Pokémon. Ouais. Mais en même temps, il fait un petit peu veilleuse. Petite lumière de chambre. Petite soirée, comme ça. Spiritomb, j'ai eu raison. Ah ouais, il est. Ah, les couleurs elles changent vite quand même. Hein. Ouais, c'est sympa, non? Ouais. Ah, j'aime bien, moi. Marcel ouais. Bah, du coup, tant pis, hein, on peut pas l'attraper, mais... Putain, c'est dommage. Eh, Marcel. C'est dommage, en vrai. Du coup, tu l'as attrapé ton poké, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est validé. Validé. Pokémon de zone. Encore Spiritomb. Putain, j'ai le seum. Ça va, Spiritomb, j'ai eu un noir. Après, Spiritomb, il est noir aussi. Non, mais moi, je peux pas dire on fait une black close, tu vois, parce que là, on va se mettre dans la merde, frère. Pourquoi? Oh, mais non, mais c'est pas...
Non, ça va, c'est pas raciste. On dit que dans notre équipe, on veut pas de Pokémon noirs. Bah non, moi j'aime. On a des Pokémon noirs, mais ils sont morts. C'est juste, voilà, on veut pas tuer plus de noirs que ça. On pense au Black Lives Matter. Grand fou. Ah ouais, bah c'est justement, c'est en disant ça là, tu nous fous dans la merde. C'est sur quelle chaîne la vidéo? Ok, sur la tienne, ça va. Tout va bien. Je ne risque rien. Comment ça, je suis plus lent qu'un Ptera? Je comprends pas. C'est terrible. Bah, tu sais, en vrai, parfois, tu sais, oublie pas qu'ils changent les bastats, hein. Genre, moi, j'avais un Metalos, normalement, il devait avoir 135 de vitesse. Donc, c'est-à-dire qu'ils lui ont enlevé toute la défense P, ils ont mis tout en vitesse. Non, mais Ptera, de toute façon, de base, il est rapide, hein, donc tranquille. Hein. Ouais, mais imagine, ils ont lui mis moins 130 en Ortide. Vitesse. Ah. Ah, t'affrontes la meuf, là. Ah, j'affronte la petite meuf et tout. La petite meuf et tout. Ouais, je suis à la route 112. On la connaît, la route 112. Ah, c'est où t'as ton Pokémon de zone? Ouais, exactement. J'aime bien te le rappeler. Tu sais, juste avant, t'avais tué un Pokémon. Ouais. On peut pas remonter? Jamais. Ouais. Jamais. On a pas pris les bicyclettes, jamais, Mathieu. Jamais. Quoi? On a pas pris les bicyclettes. Ah oui, il faut qu'on soit en défini, gros. Mets-toi en défini. Ah ouais, mais c'est plus dur en défini. Ouais, c'est ça qui est marrant, gros. Tu comprends gros pas, fiac, tu fais quoi là? Je crois que j'ai annulé tous les changements que je viens de faire. Oh non, gros fiac. Pas maintenant, gros fiac. Pas après tout ce que tu as fait. T'as fait. Attends, mais ça veut dire si je passe par là, je suis bloqué? Comment ça? Ah ouais, après tu dois refaire tout le tour? Bah tu dois reprendre le téléphérique, quoi. Mais quelle angoisse! Parce que j'aimerais bien que bon, il évoluera à l'arène. Ça va, tu vas faire téléphérique, redescendre la montagne, ça va. Redescendre la montagne à cheval. Redescendre la montagne. Non, on peut avoir un œuf, Mathieu. Pourquoi? Parce que dans le jeu, on te donne un ok, si tu pouvais suivre un petit peu. Ah ouais, ok. Pas. Ah bah du coup, c'est un random. Ah ouais, marrant. Et en plus, à l'arène, on va avoir un œuf si on gagne l'arène. Et en plus, on va changer nos Pokémon. Ouais, il va se passer trop de trucs. Enfin un épisode où je vais gagner vraiment un maximum de thunes. Ah ouais ouais je comprends. Ouais. Bon on y va? Attends mais j'affronte la petite meuf là encore. Ah mais Mathieu tu sais que les baies on a aucune excuse parce qu'elles coûtent 20 Pokédollars. Ah mais moi j'en ai acheté plein des baies citrus gros. Non mais il y a des baies cerises, baies pêcha, baies marron, baies fraîches quoi maintenant. J'aurais dû acheter que des baies prince, quel genre de chien je suis moi. Quel genre de petit chien je suis? Ouf ouf. Ouf ouf, je suis sa caniche. Ouf ouf. Frère, pourquoi tu parles alors ton pseudo? C'est un pseudo de chien en fait. Alors faut savoir que j'ai pris ce pseudo avant le film. que j'ai mis... En plus, non mais en vrai, vraie anecdote hein, pour ceux qui savent pas, hein, mais à la base mon pseudo c'était bien Volt VOLT. Et après il y a le chaîne Disney qui est sorti, ça m'a fait chier, du coup j'ai mis un H pour différencier. Voilà. Ouais. T'es heureux ou pas? Bah non parce que non, personne s'est écrit mon pseudo donc super j'en ai marre. Tu sais que ça fait 10 ans que j'ai ce pseudo. Ah gros ouais. Personne sait encore l'écrire correctement. Mais tu sais que moi je pense que j'ai eu moins de problèmes d'orthographe que toi. Pourquoi? Ah ouais c'est vrai que si c'est aussi. C'est vrai qu'on l'a bien martelé aussi lui. Ah ouais que, tu te rappelles bah genre est-ce que je mets le Y au début, au milieu, à la fin, je sais pas frérot. J'avais fait un tournoi avec des ricains. Bah c'était pour gagner Saphir Alpha en Little Cup, je me souviens. Ouais oui, ouais oui, et le mec il m'avait appelé Kazayoxi. Kazayoxi. Bah mon salaire Kazayoxi. Kazayoxi ouais. Kazayoxi. Oh, j'ai le nom du champion. Je serai une championne aussi belle et forte qu'elle. Attends, t'es me dis pas. Bah dis-moi. Ouais, bah je serai une championne aussi belle et forte qu'Enti. Moi, j'ai pas tout suivi les histoires de non-binaires, binaires et tout. Mais cette phrase, elle porte à confusion. C'est en gros, Enti, elle est bonne, hein. Attends, c'est Enti le champion d'arène? Enti, elle est bonne. Oh non, vous avez forcé les mecs. Oh non, je peux pas aller lui demander de doubler. Non, non mais c'est surtout. Ah c'est non, bizarre, vous abusez. Qui a fait ça? Qui est l'initiateur de cette vanne? Oh non, je suis dépité. Bah non, peut-être c'est pas une vanne. Enfin moi ça aurait pu être mettre Armand quoi, ça aurait pu être n'importe qui. Bah non mais... Mais fallait mettre la sœur de rédemption. Ah ouais fallait mettre rédemption tous les jours, ça aurait été trop drôle. Bon j'ai l'œuf. Quoi? Mais moi je me balade frère, mais tu me rends fou. Tu me dis on s'attend, tu me dis pas quand t'es à la ville, enfin... Ah je suis à la ville, j'ai l'œuf. On discute pas, ouais. J'ai pris un bain avant. Ouais bah c'est super. Bon l'œuf par contre c'est pas un œuf, enfin donc en gros il va mettre du temps à éclore quoi. Donc pour l'instant je vais... Bon alors pour ce que,
dans le PC. Pour ce que vous êtes en train de voir, mes frérots, actuellement mon écran, je vous explique très très vite. En fait, c'était pour faire les photos du layout, je me suis mis les Pokémon de Mathieu. Mais regardez, je les relâche. Ah oui. Parce que là, je me retrouve avec 20 morts, je me dis oulala. Oui, en fait, bah pour faire les trucs du layout et tout, en fait, je lui ai envoyé mes fichiers PKX pour qu'en fait, il ait les images des Pokés en bonne qualité, en fait. Ouais. Ouais, c'est juste ça. Mec, go l'arène. Moi, j'ai un petit peu moi, je suis trop chaud l'arène là. Vas-y, je suis trop chaud là. Mais t'es fou, toi. Mais gros, t'as un sablero, c'est pareil, il va rouler sur l'arène, donc arrête tes bêtises. Ouais, mais j'aimerais bien. Attendez, moi, je change un petit peu mon écoute. Arrête, Mathieu, attends-moi. Après ça, je veux dire que t'es lent comme ça. Stéphane, toi, t'es lent, Stéphane. Arrête, j'ai pas. Oh non. Oh putain, j'ai aucune idée du chemin de ce puzzle. Oh non, ça me rend fou. Oh, ça rend fou. Tu sais que quand j'étais au Japon, j'étais dans des onsen. Dans des quoi? Ah, dans des. D'accord, ok. Vas-y, tu comprends pas. Non, mais t'es pas japonais aussi, t'es relou, quoi. Watashiwa Volto-san. Watashiwa Volto-san. Des. Oh, j'ai trouvé un anti-gel dans la source thermale. Alors là. Alors là. Bon, après, c'est logique, ça te dégèle. Moi, je sais ouais, pas bah, où je vais, les mecs. Moi, j'y vais au feeling, hein, je vous le dis direct. Hein. Dans les onsen, les gens, ils sont tout le temps à walper, frère. Bah oui, normal. Et tu sais que la serviette. Ouais. Et bah tu peux pas la mettre autour de la taille. Pourquoi? Parce que sinon oh tu te. En fait, t'as obligation d'être tout nu. Ninja sort de l'eau. Ah ouais? Ouais. Ah, Ninja sort de l'eau. Du coup, t'étais tout nu toi? Ouais, y'avait Fred. Attends, faut que je te raconte. Fred était tout nu aussi? Fred était tout nu. Ah! Tu sais, un moment. Tu sais, on alterne entre le bain chaud et froid. Ouais. Tu vois? Ouais. Et là, à un moment, il y avait une toute petite cuve, peut-être de. Franchement, 1 mètre sur 1 mètre. Et là, il y a un énorme chinois, tout gros, un sumo. Un chinois au Japon? Non, vas-y, un japonais, je suis désolé. Wesh. Attends, mais parce que. Ouah, c'est terrible. Je suis choqué, laisse-moi parler. Oh, c'est terrible. Attends, c'était dans une cuve, ok. Et en fait, Fred, il était déjà dedans tout nu, tu vois. Et le japonais, il s'est mis en détente à côté de lui tout nu. Fred, il était au bord de la piscine avec ses bras, il me regardait les yeux grands ouverts. Et moi, je l'ai franchement kiffé. Hein. Ah, ils ont aucune gêne. Ah ouais, il était assis à côté d'un gros tout nu. Il était pétrifié, frère. De type asiatique. Bah, je suis mes excuses pour. Entre le Black Lives Matter et les. Ah ouais, vraiment! Encore sur la chaîne de Stéphane, merde, tout va bien! Moi je trouve qu'on parle pas assez des rebeux comme. Bon, par contre, mec, je suis perdu dans l'arène. Je suis du père! Oh, attends, mais KFC, il est type classe! Ah ouais! Oh, je sais pas si l'arène en vrai je suis. Hein. Oh, il a un petit flow, je suis aussi. Hein. Il est quelle couleur? Et son camp? Moi je trouve. Moi, il est un peu grisonnant avec. Ah, il est un peu. Voilà, les cheveux de Volt, quoi. Non, j'ai mis une casquette, là, je me suis pas coiffé. Faut que j'aille chez le coiffeur, mes cheveux ils ont trop poussé. Là, c'est un bon. Mathieu, ta casquette! Oui, et ben. Je te l'ai pas rendu. Ouais, j'en ai acheté une autre. Quoi? Ouais, j'ai acheté une casquette Bleacher, c'est la marque de Squeezie. Bleacher, c'est la marque de Squeezie? Ouais, ça, c'est Yoko, quoi. Ah, moi, bah, du coup, je peux garder ta casquette? Non! Okay. Bah, je la récupérais quand je viendrai à Paris, genre en 2050. Ouais, mais toi, on perd en confinement et tout. Ah, c'est terrible, hein. J'ai vu les restaurateurs, ils pourront pas réouvrir avant fin février. Ouais. C'est... Mais tout le monde est dans la merde en ce moment là. Même moi, je suis dans la merde, frère. Ouais, c'est chaud. Force à tous mes restaurateurs. Ah, force ouais, à tous mes commerçants. En vrai, force à toutes les personnes qui nous regardent et qui sont peut-être dans la galère niveau financier, boulot, tout ça. Là, c'est vraiment pas simple hein, ce qu'on vit là. En vrai, c'est ouais, terrible, hein, moi quand j'y pense, je me dis, moi ça j'ai une bonne qualité de vie, mais même moi, des fois j'en ai marre, tu vois, je pète un plomb. Alors je me dis, les non, parisiens, mais c'est différent, ouais. C'est différent, il y a le besoin financier parce qu'il y a des gens, ils ont des prêts, tu vois. Et du ouais, coup, ils ont non, mais bien sûr, des mais prêts bien pour. Mais là, ils peuvent, en fait, non, mais surtout, moi je parle surtout des gens qui peuvent même pas bosser, ils doivent en fait juste se faire chier. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire, genre, il y en a, leur vie, c'est leur. What ouais, the fuck, pourquoi je suis là Pourquoi y'a un smogo ce bâtard? Leur vie c'est leur boulot, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Moi ma vie c'est pas le boulot. Hein. Mais le boulot c'est la vie. Bah ouais, ma vie c'est un peu le boulot, j'avoue. Mais pourquoi je suis perdu comme ça? C'est terrible! Eh gros, mais franchement. Si t'arrives à. Oh là là, mais le chemin. Mais gros, j'ai fait. Moi je suis devant la championne! Non, c'est impossible.
Si, si. Non, c'est pas possible, quoi. T'affrontes un Smogo, mec, donc c'est pas possible, je sais où t'es précisément. T'es en train d'affronter un Smogo. T'es en train d'affronter un petit ninja là. Qui vient de sortir de l'eau. Et là, t'es encore perdu parce qu'il reste 4 dresseurs. 4 Oh ah, putain. On est pas dans la merde. On est pas dans la merde, hein. Non, mais ça devrait bien se passer, t'inquiète pas, c'était fou. 4 dresseurs et c'est beaucoup, hein. T'as confiance dans ce match, Stéphane? Franchement, pas du tout. Oh non, je peux plus switcher. Oh bien. Attends, non, mais le. Attends, mais. Attends. Oh putain, j'affronte Jack Spiro. Non, me tue pas, Jack Spiro. Pas mal. J'aime trop. Ok, c'est bon, c'est bon, Jack Spiro. D'ailleurs, il est devenu quoi là, le russe là qui s'était mis tout nu et bougeait ça. Ah, Alexander Pistelov. Il était fan à un moment. Attends, attends, est-ce que je peux le retrouver? Oh non, mais c'est génial. Mais quelle vidéo incroyable. Alexander Pistelov. Ouais, on va peut-être éviter de la mettre sur la chaîne quand non, même. Non, je vais la poster et tout. Non, la poster. Pisto. Attends, Pisto Letov. Ah, je l'ai, hein. Il y a 6 ans. C'est beaucoup, hein. Je sais pas si on doit affronter la meuf en bleu. Non, je comprends. Hein. Mais c'est un malade. Ah bon, tu feras un peu gaffe, je l'ai un peu montré. Hein. frère. Non mais on voit pas, on voit pas, on voit pas le bas. Tu sais que sur YouTube, tu vois la championne, tu vois la championne. Mais c'est pas possible. Si, j'ai un partage d'écran. Ouais, vas-y. Attends, faut juste que je batte encore un dresseur après. T'es sûr? Espèce de traficante là. Un flamme à noir. Oh putain. Ah, Jack Spiro, gros! Ah ouais, putain, j'avais pas compris, hein! Terrible! Moi, est-ce que je suis devant la championne, okay, là? Ouais, tu remontes, t'es devant la championne. Ah! Bon, du coup, faut tout que je refasse, parce que j'ai son pleure 10! Non, je déconne. Alors, j'ai des potions. Hyper potion. Fabrice. Est-ce que je passe le... Alors, j'avoue, yes. Est-ce que je mets Fabrice en premier ou pas? Yes! KFC niveau 37. Parfait. En vrai, je me dis, le truc avec Fabrice, c'est que bah c'est juste un petit gringolem, mais mine de rien, il a l'évolu rock, donc je pense que... Bah allez, vas-y, Fabrice en premier, mec. Fabrice le boss, Fabrice le king, il est trop chaud, je t'attends. Mathieu, regarde ton Discord. Oh! Le Cuffs qui évolue. Oh, le Cuffs qui évolue. Oh putain, en vrai, il va être beau. En vrai, je sens, il va être tellement beau. Moi, je le vois bien, genre Brazegali. Ah non, bleu, mais un blanc, blanc bleu Brazegali. Aïe aïe aïe, le KFC! Ah. Ah ouais, je le voyais pas comme ça. Ah, je voyais tout l'inverse, moi. C'est blanc! T'as vu, il a une petite manucure. C'est pas là. Noir! Pourquoi les yeux bleus comme ça? C'est pas noir, là, pour le coup, là. Attends, moi, je pense que son talent, c'est Glaciate. Quoi? C'est quoi Glaciate? C'est tu transformes toutes les attaques normales en type glace. Vas-y. Vas-y. Moi je pense que c'est l'évitation, gros. Que Rayleur. Mais ça pue sa mère, que Rayleur sur un Pokémon Spectre. Putain, fou. Ouais. J'aime bien. Ouais, mais il y a peut-être un peu trop de blanc. Genre vraiment, on dirait un Brazegali zombie, tu vois. Bah, Medwin il va dire mais c'est pas si les glaces, du coup on a mis du blanc, quoi. Vous êtes trop cons, les mecs. avec cet accent. Ouais. Ah, ok. Mais moi, les Pokémon, ils sont pas très haut level. Hein. Bah, moi, ils sont 32, 32, 36, 29, 29, 25, ça va? Ah, ouais, j'ai des plus haut level que toi et je suis, frère. Ah bah, voilà, qu'est-ce que tu parles? Madame Mouta. Bon, let's go. J'ai une grande poule. Ouais, vas-y. Alors, on parle pas du coup? Ouais. Allez, 1, 2, à toi, NP. 3. Ça va être beau, mesdames et messieurs, ça va être beau. Bon, je me tais décale le texte. Ta gueule, chut. Eh, hey, NT, je la démonte. Bienvenue. Ah, il va falloir qu'il gueule comme ça. Allez, c'est parti. Bienvenue à toi. Je suis NT, le champion de type feu. Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici. Suite à mon parcours sur YouTube et Twitch, j'avais envie de venir voir ce que je valais en tant que champion d'arène. Accroche-toi.
Ma Monofire va te casser ta bouche. Non seulement j'ai la chaîne YouTube Pokémon en France avec le plus d'abonnés, mais je suis aussi chroniqueur sur Game One. Yaha ! Norman. Ok, c'est parti. Mathieu, ouais. J'affronte Norman. Ah, j'affronte Norman. What the fuck? Ah, bah ça y est, il a le skin. Ah, mais. Hein? Ah, j'ai l'impression d'être défoncé, frère. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas grave. Allez, l'Imagma, niveau 30. Non, mais peut-être c'est parce que comme c'est un mec, tu vois, ils ont mis Norman, tu vois. Ouais, mais dans ce cas, mais Norman, bah, GNT, en fait. Je comprends, ouais, je comprends pas le principe. Oh putain, on pleure 10. Allez dans ta mère, le Limagma. Moi, on pleure 7 aussi. Lance soleil. Allez, ça dégage. Oulala. Oh, j'ai fait qu'ampleur 6. Ah, j'ai fait un ampleur 10, frère, vraiment. Ponyta. Allez, vas-y, balance. Balance, mon gars, balance. Lance soleil. It's time for the Ampalari. Oula. C'est x1. Red Raptor, hein, je pense. Hein. Coup critique, ça m'a mis. Que dalle, mec. En pleurs. Que dalle. Ok, Mathieu, c'est parti. On arrive pour ce combat. Ponyta, il était tellement fort en Little Cup. Oh, Aurore. Oh, putain, par contre, il prend... Attends, Ampleur 8, ça lui a fait que ça. What? Ah bon. Il est trop charge. Ampleur 6. Ah, merde. C'est pas les fois grand-chose. Hein. Non, mais par contre, Fabrice... Je crois que comme attaque feu, Ponyta, il a que Nitro Charge, si jamais. Oh, putain, je fais... Ça, c'était un crit, ça. Oh, terrible. C'est terrible, c'est affreux. Barre d'abord au chargé. Red Raptor, c'est un bon poké, hein. Ampleur 8. Aurore. Oh okay, non, Mathieu, bon. Là, Aurore. Ponyta, ça dégage, mon gars, hein. Oh là là. Fabulissu. Ok, chape en feu. On continue. Oh putain, moi, c'est ma technique. Attends, c'est. Ah, merde, il est water aussi. Ah, ah, ouh, oula, ouh, oula, ouh, je suis allé trop vite. Stop. Oh putain, la Volurock. Les Volurock, monsieur. Ampleur. Ampleur 6. Mathieu, il vit sa meilleure vie. Ah, je vis ma meilleure vie avec Chimpanzé. Ça va plus vite. Par contre, fais gaffe. Ouais, Chimpanzé tendu quand même. Oh, attends, par contre, il a bu d'eau. Je pense que je vais faire tempête de ça pour augmenter ma défense P. Je pense qu'il est au feu, le Chimpanzé, mec. Ah ouais. Non, il était acier feu. Non, non, mais je pense qu'il est au feu. Comment ça, acier feu, sûr. Bah parce que je crois que dans... Ah non, mais il est pas tiré de fusion. Hein. D'accord. Ok, ma culotte. Parce que comme c'était exactement le même, moi je sais pas quoi. Bon là, on fout le pouvoir antique. Peut-être que mettre la sécheresse sur une anotype feu, c'était pas la meilleure des idées. C'est quoi ça? Tu sais, il y a des choses qui vont bien dans la vie, d'autres qui vont moins bien. Ah, terrible. Mais c'est bien, t'as Morpheo, t'inquiète. Oh ouais, j'avoue. Ouais, mais il va rien faire là, gros fiac là. Écrasement. Attends, mais il est feu haut. Oh, attends, mais j'ai envoyé fake et poire, ça devrait le faire. Ah, mais j'ai mis la. Ouah, attends, mais je fais nimple là, je viens de me mettre la sécheresse du coup. S'il me fait une attaque feu, je vais me faire fumer. Ah, qu'est-ce que c'est. Oh. Non, mais attends, c'était un prank. Non, mais vraiment, c'est. Putain, il est pas concentré. Moi, ça se passe détente, vous avez vu. J'ai augmenté la défense P avec la tempête de ouais, sable. Ouais, non, en vrai, ça va, il me fait pas grand chose, donc ça va. Je pensais qu'il allait mourir de non, la mais c'est bon, tranquille, je vais lui faire un petit boulet là. Si j'ai le seum. J'ai le seum. Bon, est-ce que je crois que. Ouais, mais attends, tu l'affrontes le chimpanzé en feu là? Non, du tout. Ouais, gros, il est. Oh, concrétique, non. Là, mais on a des autres Pokémon, tu t'inquiète. T'as perdu qui que je sache? De toute façon, Stéphane, en vrai. Ouais. Et les cocos? Non. Ah, tu l'as pris? Je l'ai pas pris, moi. Il était un. Quoi? Mais t'as changé ta tête? Ouais, j'ai changé. Ouais, j'ai pris. Bon, je sais pas, t'étais pressé, frère, tu m'as pressé! Ah non, mais faut le dire ça! Bah, il est coco, il est mort. En vrai, Ptera. Mais pourquoi tu l'as pris? Il était pas au level, lui! Bah, il était autant level que les cocos. C'est parce que les cocos, les plantes. Mais les cocos, il était niveau 30, non? Mais il était niveau 27, frère. Ah ouais, non, mais Ptera, t'as pas kiffé, de toute façon, tu m'as dit que t'aurais préféré Spirit. Ouais, de fou, ouais. Je sais pas si la Non, mais tranquille, attends, déjà, j'ai envie Noah, là, Noah la tortue. Chartor. Attends, non, mec, faut qu'on se concentre, là, gros. Ouais, mais j'ai bien envie de rester, mais je sais pas si... Non, je pense pas que c'est opti. Ok, Noah, let's go. Anti-air, Noah. Trop fort, Noah, mec. Mais quoi, mais attends, mais ce chimpanzé en feu. Mais c'est pas un chimpanzé en feu, gros, c'est un euphorie, le délire.
Putain, j'aurais trop aimé avoir malédiction sur Nulmel, frère. J'aurais fait un carnage. Alors, champ en feu, balle météo, j'apprécie moyen. Malédiction. Ah, il m'a counter. Ok, champ en feu, KO. Par contre, champ en feu, mec, vraiment trop, trop résistant. Ok, ok, moi, je suis sur Charthor. Gros fiac, puissance. Ça enlève les changements de statut. Il fait brouillard, ce fils de pomme. Ok, et Lionceau. Ah, oh, marrant. Je sais qu'Anti, il aime beaucoup ce Pokémon. Évite l'attaque. Vas-y, anti-air. Zénith. Oh. Alors là. Attends, mais du coup, on est à... Attends, du coup, on est à 9-6. Marrant. Ouais, mais tu sais, le Morpheo. Quoi? Non, pas gros fiac, gros. Tu l'aimais pas beaucoup, en vrai. Quoi? T'as tué gros fiac? Mais tu sais que, gros, j'ai l'impression que je vais tout perdre, en fait. Mais... Non, tu peux pas, on peut, tu peux pas perdre deux fois de suite à deux arènes, gros. Mais c'est toi. Comment ça s'est fait? Oh putain, hyper potion. Mais gros, mais n'importe quoi, t'as un sablero. T'as 6-0 une arène parce que t'avais la faiblesse, gros. Mais il fait malédiction après, il fait brouillard. Mon en plus, t'as des potions, maintenant on a les objets. Non, y'a pas d'excuses là. Là, on est préparé, gros. Moi, je KO. C'est qui était en couple avec gros fiac? C'était Nulmel. Ah, terrible. Je suis choqué qu'il se fasse tuer par un plaquage à plus 1. Comment ça? En plus 6. Comment ça à plus 1? Qui a plaquage plus 1 là? Il a fait malédiction, Charthor. Ah ouais, terrible. Charthor. Ah mais il est fort Charthor. Oh. Mais non mais oh, il spam les hyper potions, il est horrible. Je pense que vraiment plaquage faisait plus 1 pour le coup. Hyper potion gros, il a deux hyper potions. Mais ouais, mais moi aussi, ils viennent le balancer là, j'en peux plus de ce lionceau là. Mais un crit, fils de pute. Allez la tortue. La tortue, la tortue. Dans le la chat, tortue. Tous avec moi. La tortue, la tortue. Oh putain, la ah tortue, ouais, mesdames et messieurs. La putain de tortue, ta mère. Ampleur 9. Gros critique, ça blé. La tortue entière. La tortue. La tortue qui tue. Oh oh. Boulgu qui a failli mourir, Mathieu. Ok, la tortue 33, mec. Comment, quel niveau il évolue, ce machin? Je trouve qu'il évolue, la tortue. Ah mais les fossiles ils évoluent, non mais ils évoluent tard. Ouais. Charthor, ok tu m'as dit il est giga chaud Charthor. C'est pas il est giga chaud, il a brouillard, ébullilave, plaquage et malédiction. Voilà. Ah, il a malédiction, c'est ça qui est terrible en fait. Vas-y je vais faire avec la troc pour lui baisser sa défense. Ouais déjà à plus 4 hein. Moi aussi je voulais faire avec la troc mais ça baisse pas tout le temps. Ah ouais, ah ma... Ah oui. En effet. Ampleur 10. Let's go, le crit. Oh, il a refait malédiction. Vous savez que les gars, si jamais il clique sur plaquage, on a perdu le jeu. Vous êtes d'accord avec moi? On a dû perdre. Oh ouais, mais attends, ouais, j'avoue, il setup ce chien là. Mais attends, mais il a que plaquage en move physique? Ouais. Ok, ça devrait le faire en vrai. Ampleur 9. J'ai miss! Non. Il a plus 6. Plus 6 d'attaque, plus 6 de défense, frère. Mais il est lent, ce fils de pute! Moi ça va, pour l'instant en fait il me fait pas grand chose, j'essaie juste d'avoir la drop, ensuite je vais me soigner. En vrai je pense ouais, Noah il gagne le 1v1, je pense Noah il gagne le 1v1. J'ai remis, il a fait plaquage, oh. Boule cul, il est mort. Par contre les éclatrocs qui baissent pas la défense, c'est terrible. Oh c'est terrible. Mathieu moi j'ai déjà perdu, il me reste 2 pokés hein. Quoi? Ouais. Mais comment ça? Mais y'a moyen que je perds tout. Non. Tu peux pas le passer le Charthor? Red Raptor il attaque pas en spé? Bah si mais j'ai lyophilisation, bah de toute façon ça fait plus. Non mais que... il a pas l'attaque électrique Red Raptor en spé. Ouais. Bah voilà. Oh c'est bon je l'ai tué. Mais il me reste deux Pokémon frère. T'as fini l'arène là? Non il me reste 2 Pokémon. Parce que moi il lui reste 2 Pokémon. Et Lionceau. Ouais Lionceau ça va, il est pas trop chiant. Il fait juste des zéniths. Je crois que je vais le booster hein. Oh non j'ai raté. Ah terrible. Oh Charthor de merde. T'es sûr il fait pas que il fait. Ah ouais zénith. Oh Charthor de merde. Il fait que Zénith. Attends mais du coup qui est mort là? Gros fiac est mort. Là ouais. Ensuite Fabrice. Fabrice est mort. Ah Fabrice il est mort hein. Quoi? Oui bah j'ai dit déjà, arrête d'être étonné frère. Ok j'envoie gros fiac. Ouais il te reste bah pas grand chose hein. Ouah t'as tué Fabrice gros. Ouais. Oh c'est un délire ce que tu me dis. Champ en feu, il est quel ah il est au feu mec, il est trop chiant à buter. Oh ah, tu l'as pas encore passé lui. Est-ce que je fais lyophilisation? Ah mais t'as Red Raptor. Mais non parce que lyophilisation ça va juste faire du neutre vu qu'il est moitié feu.
Non, je fais attaque électrique avec Red Raptor, non? Non, là, je suis avec KFC. Parce que je l'ai boosté en défense P, en attaque. Tu fais un truc stabé neutre, au pire. Mais détente! Ok, c'est bon, je crois que je peux gagner. Oh, c'est le Charter. En fait, si tu veux, j'ai pas de switch in. Parce qu'il me nique ma mère, en fait. C'est simple. Attends, mais là, il te reste qui à affronter, là? Un Pokémon. Putain, mon mort S2, moi, je sais pas qui c'est. Camerupt. Bon, vu que Morpho est mort, on va l'envoyer à la mort. Camerupt! Camerupt! Méga Camerupt! Méga Camerupt, je te dis direct, frère. Non, non, y'a pas de méga là, y'a pas de méga là, y'a pas de méga là, t'inquiète. Ok. Mais là, s'il fait une attaque feu, y'a encore Zénith ou pas? Je sais pas si je vois. Allez, gros fiac, bon. C'est ton moment, gros fiac! Tu es peut-être mort, mais au moins tu vas peut-être mourir en héros! Gros fiac! Méga Camerupt, fils de pute! Quoi? Arrête! Mais là, j'ai perdu, gros! Arrête! Éboulement! Attends, peut-être que je résiste à ça, c'est pas stabé. Vas-y, caca. Méga Camerupt! Coup critique! Non! Oh non! Oh, terrible! Oh, il me reste un Pokémon! C'est qui? Il m'a coup critique! C'est qui? Il me reste Red Raptor! Où est le mec? Ah bah non, c'est nul! Je peux rien faire, je peux faire coup de feu! Oh non, il m'a crit! Wow. Malédiction! Eh, Zerban! Il a une méga évolution! Ah non, ouais, mais vas-y frère, je fais quoi moi? Vas-y, au coup de feu, hein! Oh non! Telluriforce! Oh, il a raté pistolet à eau! Oh le chien! Putain, j'ai perdu, mais je perds tout! Oh non! Oh terrible! Oh terrible, c'est. Oh le coup! Je pense vraiment. L'avantage, c'est qu'on a beaucoup de zones d'eau qu'on n'a pas faites. Oh. Donc tu vas pouvoir récupérer une équipe d'eau, je pense. Fabrice! Let's go, Fabrice! Oh, c'est une catastrophe! Moi, je pense qu'on va arrêter de compter, hein, le compteur, hein, tu sais. Oh non, mais je suis nul! Ampleur 7! Après, j'avais que 5 Poké aussi. Quoi? T'as l'air avec 5 Pokémon? Bah ouais, tu m'as pressé. Non, mais. Arrête, mon excuse, elle marche de moins en moins. Ah ouais, c'est terrible. Mais j'avais Flingousse que j'aurais bien aimé entraîner, mais on n'a pas le temps, quoi, à chaque fois. C'est. Oh, attends, mais là, donc là, tout est mort de toute façon, donc dans ma team. Donc de toute façon, je peux y aller en mode zombie, quoi. Zabi. Allez, ouais. C'est parti. Ah, en plus, t'as tué les cocos. Bon, il aurait pas servi pour la règle. Eh, Fabrice, putain, Fabrice qui a réussi à 1v1 le Camerupt, je suis mort, quoi. Oh là là, mais. Oh, j'ai le seum. Quoi? Non, okay, il a pas réussi. Quoi? Comment ça? Non, c'est bon, il va pas le heal de toute façon. Jamais il le heal. Mais mec, tu sais qu'on a des zones qu'on a pas fini de faire, hein. Je te rappelle. Hein. Ouais, je sais, j'ai entendu, ouais. On va faire une mono water pour la reine. Bon, bah, c'est bon, Camerupt est mort, j'ai gagné. Oh, damn, bro. Oh là là, mais quelle catastrophe. Ce qui est bien, c'est que ça fait deux fois que je gagne le champion, deux fois j'ai plus de team. Ah ouais. J'ai un Pokémon, il est plein de glace. Tu penses qu'il va être bien pour la reine ou pas? Ah, pas sûr. Bah, ça, il te reste ton Flingousse, non? Ouais, Flingousse, ouais. En vrai, ça va, parce qu'on va, on risque de capturer des Pokémon haut. Attends, là, on les capture. En vrai, là, on a 33 minutes d'épisode. Viens, on fait les dernières zones d'arène qu'on n'a pas fait. Rebonjour à tous. On est à un village Myokara. Voilà. Donc, en fait, il nous reste techniquement deux zones. Zones qu'on ne voulait pas faire parce qu'on s'était dit que. Non, trois. Ouais, trois. En fait, alors, il y en a deux dans ce village. Donc, il y a le Channel 107 et le Channel 106 qu'on n'a pas fait. Parce que, bah, on s'était dit, on va vouloir les zones plus tard quand on aura Surf ou le Mega Can. Malheureusement, on a besoin de nouveaux Pokémon. Plus trop de cas. Ouais. Donc bah écoutez, on va pêcher. Je rappelle qu'on a que la canne toujours, donc voilà, on aura une ribambelle de nouveaux Pokémon. Voilà, on va voir normalement. Peut-être que ce sera en accéléré. Magikarp. Tu veux prendre? Après, moi je l'ai déjà Magikarp, donc techniquement je peux ne pas le prendre, mais toi tu peux le prendre. Hein. Bah tu sais que Mathieu, au pire, est-ce qu'il y a pas un monde où toi, comme c'est que des doublons? Bah tu peux pas utiliser la zone concrètement et t'as le droit d'attendre et moi j'utilise le Pokémon. Non mais moi après je peux reprendre Magikarp, c'était pas un souci. Mais là ce qu'on va faire c'est que là tu vas avoir à mon avis une partie accélérée ou machin jusqu'à ce qu'on trouve autre chose que Magikarp en fait. Comment je le capture moi Magikarp? Vas-y. Vas-y, moi je capture Magikarp pour la première zone. Oh Barpo! Ça il est bien arrivé. Mais non! Ouais je te jure! Mais non! Oh trop bien! Ah, j'ai une armée de poissons!
Ah, le poisson, le poisson, le poisson. Bon bah parfait. Donc voilà, donc première zone déjà faite. Ok, mais moi j'ai pris magie niveau 5. Ah, par contre, Barpo. Je peux le rendre shiny ou pas, Mathieu? Barpo. Par pur plaisir. Barpo niveau. Eh, le combat, les mecs, là, c'est Magikarp contre Barpo. Je peux vous dire que ça envoie du très très lourd. Ah, oh, c'est terrible. Oh là là. Moi, je l'appelle Pierre. Et voilà, j'ai Barpo. Putain. Oh. Après, Léviator, c'est giga fort techniquement hein, contre la reine. Hein. Barpo, c'est un peu dur à faire évoluer quand même, non? Alors ouais, j'avoue, je sais pas comment ça va se passer dans la ROM, mais... Bah, normalement, c'est comme dans de base, il faut le augmenter sa beauté. Oh, quel enfer. Non, je crois que c'est fini maintenant, c'est avec une écaille par échange. Bah, peut-être pas dans Rosa, vu que c'est là que ça a été instauré le système, donc je sais pas. Je vais l'appeler... Je vais l'appeler Lao Lao. Lao. C'est un nom d'un monstre dans Yu-Gi-Oh. D'accord, ok. Lao Lao, ouais. Lao Lao. Comment il s'appelle le serpent, tu sais, qui était sur la boîte dans le deck de structure d'eau? Oh. Le Léviathan. Oui, je sais plus. Alors, j'ai des bonnes refs ou j'ai pas des bonnes refs? Pas mal, pas mal. Vas-y, je suis le 106, let's go. Ouais, aussi, putain. Il va encore avoir des. Après, faut reprendre le bateau. Et après, il faut aller faire un suite de poivre-sel, du coup. Ouais. Terrible. Oh, Carvana! Quoi? Trop bien! Oh, let's go, baby! Ah, tard! C'est niveau 5. Putain. Oh, bah, j'ai passé beaucoup de temps à les entraîner, mes Pokémon. Lol. J'ai fait un clin d'œil pour que les gens y comprennent que c'est pas... Ok, moi j'ai... Mewtwo! Lol. Quoi? Ah, c'est magique. En détente. C'est magique. Hein. Ah, très fort, vraiment, je le recommande. Hein. Alors, bon Pokémon. Si, je regarde s'il y a autre chose. En vrai, si je tombe sur Carvana, je le prends. Bah, bien sûr. Entre un doublé de Carvana et pas de Carvana. Surtout entre un doublé de Carvana et avoir deux Magikarp. Après, je peux faire une armée de Magikarp, hein, vous savez, dans la team. Bah, tu l'as toujours rêvé d'être pêcheur en fait. Bah, ouais, ce serait un kiff, une armée de Magikarp. Mais c'est quoi, mec? Ce serait un kiff. Il y a des gens, ils veulent acheter des jets privés, lui, il veut juste son armée de Magikarp. Eh, bah vous savez quoi, les mecs? Je vais le faire. Je vais le faire. C'est bon, c'est dit, c'est fait. C'est l'armée de Magikarp qui est proposée. Gros fou, hein. J'arrive pas à le capturer, putain. Allez, frère, capture-toi, là. Il va tuer Bartholomé. Est-ce que je mets une hyperbole? Bon, c'est chaud, hein. Je l'ai mise, hein, mais c'est chaud. Hein. Ok, c'est bon. C'est bon. Donc du coup, ce sera Constantin et Léopold. Moi, je vais l'appeler... Death. Ça, j'aurai deux gros Léviators avec des noms très sophistiqués. C'est bien, ouais. Moi, c'est un clin d'œil à Darksiders 2. Attends, mais toi aussi, du coup, t'as Magikarp. Ouais. Mais moi, si j'ai un deuxième Magikarp, je comprends pas. Ah, je suis mort, on va tomber sur... Ah, c'est bon, l'arène électrique, on l'a passé, déjà. Ah oui, frère. On va tomber sur un dresseur full élec, on va faire... Bon... Bon, tu sais, hein, la bravo, vie. Ça va dans la vie, bon. Eh, ma team, ouais, ma team, les gars. Ma team, gros, j'ai deux Magikarp, un Barpo et un Loupio. Laisse-moi mettre du temps avec là. Ah, je suis mort. Corps maudit, là. Il est au spectre. Vas-y, je vais directement à Poivre Sel. Ça, c'est fait. Oh non, il est timide. Ah non, il est brave. Bon, allez, Poivre Sel. Bon, en tout cas, Mathieu, je te trouve assez mauvais, hein, quand même, dans cette aventure. Si je peux me permettre, quoi. Tu sais que techniquement, il y a 12. Il y a 12-6, je crois. Ouais. Terrible. On va faire rien. Ah, je suis mort. Allez, je pêche. Si c'est encore Magikarp. Ouais, moi, Magikarp. Non, tu copies pas ma stratégie. Ok, non, mais je le veux pas, moi, ta stratégie de merde. Là. Ok. Moi, je veux une armée de Carvana. Quoique, tu vas me dire, en vrai, Magikarp, c'est pas mal. Hein. Eh, vas-y, y'a rien là, c'est quoi cette histoire là? La mort pas, la mort bas. La mort bas. Ah, ça mort! Allez, c'est Moi j'ai cru. moi je veux non, bien. Non, mais Barpo, deux, hein. Ça suffit, c'est bon là! Je veux bien Barpo, hein. Moi je.
au final. On va avoir tous les poisons du jeu, frère. Vas-y, je vais voir ce qu'il y a d'autre. Mais tu sais, on va avoir un shiny, frère. Bon, tu sais, dans la vie. Avant, on va avoir un shiny, on fait shiny. Oh, Carvana. Bah, allez, je prends. Très bien. Notre team de poissons, là. T'es content d'avoir plein de poissons ou pas, Mathieu? Pouah, c'est la team de poissons. Ouais, mais gros, on a une mono-water, c'était fini. Ah. Bon après pour la reine, pour la reine, bien, ouais pour la reine t'es giga bien, hein, c'est vraiment Ouais. Mais après je regarde là, j'ai que Magikarp Carvana. Ouais, bon je continue cool. Encore un tout petit peu. Ouais c'est un peu chiant, il risque d'avoir les mêmes Pokémon après. Hein. Ouais c'est pour ça, si c'est toujours les mêmes, voilà. Mais peut-être il y a un 1% Barpo, tu vois. Bah après ouais je sais pas. Tu manges ta lampe ton Carvana. C'est bon, j'ai Carvana. T'es trop fort. Du coup, on va avoir à peu près la même team, hein, quand même. Agro. Aga. La faute à qui? Aga, ressaisis-toi. Aga, ressaisis-toi. Deux Magikarp ou deux Carvana? Comment j'appelle Carvana? Moi, je l'appelle Def. Je vais l'appeler Turbofish. Turbofish. Appelle Krusty Bat. Non, j'appelle Turbofish, gros. Turbofish. Le mec, t'es un fish? Non, j'ai un turbofish. Est-ce que t'es un poisson? Non, je suis le turbo-poisson. Turbo-poisson. Bon, allez, je vais au centre Pokémon. Viens, dès que t'as capturé, on va au centre Pokémon et on fait les. On fait là. Ah, j'étais sûr, j'allais me faire repérer par le marin, putain. Le marin. Le marin, le malandrin. Allez, hop. Bon, je capture celui-là. C'est qui? Allez. Carvana. Du coup, t'auras deux Carvana? Ouais. Terrible. Oh, du premier coup. Bah, je vais l'appeler. Voilà. J'ai envie de l'appeler Carnaval. T'es nul, hein. Bah, c'est bien ça, c'est bien. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler Voiture, hein. Voiture. Est-ce qu'il peut? Je vais l'appeler comme ça, regarde, je vais mettre des trucs au hasard. Vexneo, voilà, c'est très bien Vexneo. Vexneo, le prochain super méga Pokémon. Putain. Bah, j'ai le seul, Mathieu, j'ai perdu la team, j'ai que des poissons. Ah oui, putain, mais et moi je suis débile, j'envoie un Pokémon qui est mort pour affronter les dresseurs. Ah, mais tu savais pas. Non, mais c'est. Ouais. Ok, donc t'as pris aussi Quillfish. Donc là, la team, c'est Constantin avec ton Talangouste. C'est Jijo avec Gigi. Moria avec l'autre, là. Ouais. Ah merde, mais Noah, il est pas dans cette équipe. Qu'est-ce que je dis, moi? Noah, il est mort. Noah, il est mort, ouais. Ah bah non, en fait, on a 6 Poké. Pourquoi? Bah. Le Pokémon de la route 14, tu l'as. Il est plus là? Je sais même pas. Ah, est-ce que Quillfish, il est mort chez toi? Ah bah oui. Ah bah non. Ouais, il est pas mort. Ah, il est pas mort, Quillfish? Non, je l'avais pas pris. Oh, des barres de rire. On a la même team, frère. Ah, mais oh ouais, en plus, c'est le seul Pokémon. Oh, j'en ai marre. Ok, donc en gros, bah, on le prend ou pas? Bah, oui, on le prend à la place de l'autre. Donc, en gros, donc ce que je disais, c'est Constantin avec la langouste, Jijo avec Gigi, ouais. Moria avec l'autre, Lao, donc c'est le Barpo avec ton Magikarp, Turbofish. Ouais. T'as capturé qui là, du coup, à Pauvre Sel? Carvana. Et bah Carvana et Boulas et Quillfish. Ok, et ton Pokémon de la route 14, il est avec qui? La route 14? Route 114, pardon. Route 114? Ouais. Est-ce qu'il est mort ou bah, pas? Bah c'est Moria. Et c'est qui Moria comme Poké? Bah c'est le Balignon. Et c'est pas comme que tu viens de me dire, qui était en couple avec l'autre là. Oh non, c'est, je savais pas le Poké, c'était juste. Ah c'est Balignon, Donc voilà. Ok mon ref. Bon, et eh ben écoutez les mecs, épisode très très long. Normalement il y a eu des coupures. Ouais. Sur ce, bah écoutez, merci à tous et rendez-vous samedi pour la revanche de Cisa sur Adrian et la suite avec Norman. Donc normalement il y aura deux champions d'arène en un seul épisode. Exactement. Et on a une armée de poissons. Allez, sur ce, merci à tous. Bye tout le monde. Bisous.